Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Nous allons jouer avec Béatrice et François ce matin pour commencer. Ils habitent Aix-en-Provence, François est opérateur dans une raffinerie, Béatrice fait du bénévolat auprès d'enfants hospitalisés, on leur souhaite bonne chance. Ils joueront contre Christian et Jacques. Bonjour Christian, bonjour Jacques, ils viennent tous les deux de Bordeaux. Jacques est technicien aéronautique, Christian lui est médecin généraliste, bonne chance également. Il est toujours tiré à quatre épingles, mesdames et messieurs, le très élégant Thierry Beccaro. Est-ce qu'il y a encore les, les épingles? Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes en pleine forme. Nous allons faire connaissance avec quatre nouveaux candidats qui sont des gens formidables, comme je le dis régulièrement dans cette émission, dans d'autres bien sûr, mais ici on a toujours la chance de rencontrer des personnages, des gens qui ont un cœur gros comme ça et plein d'humanité. Bonjour François, bonjour Béatrice. Bonjour. D'où venez-vous tous les deux, François? Alors moi j'habite à 40 km d'Aix-en-Provence, et au bord de la mer, sur la Côte Bleue, chez les Pins. Jusque-là ça va? Voilà. Il n'y a pas à se plaindre? Non. Vous travaillez, vous vous reposez, François? Je travaille dans une raffinerie de pétrole à Fos-sur-Mer. Et vous, Béatrice, vous ne travaillez pas, mais vous faites quelque chose de formidable. Vous vous occupez d'enfants hospitalisés, avec d'autres personnes, évidemment. Oui, bien sûr. Tous les jours, on vient 2 heures par jour, de 16h à 18h, pour distraire les enfants hospitalisés. Alors, ce ne sont pas forcément des enfants victimes de pathologies lourdes. Hein. Ça peut être une jambe cassée, un bras cassé, une opération qui va immobiliser l'enfant pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, bah, il faut l'occuper, ce petit ou cette petite. Et c'est ce que vous faites. Exactement. Alors, vous lisez, on leur propose des jeux. Il y a une salle de jeux qui est très, très bien aménagée. Il y a beaucoup de jeux de société et on les occupe pendant que les parents puissent faire ce qu'ils veulent aussi à l'extérieur. Et ça se passe à quel endroit, Béatrice? À Aix-en-Provence, à l'hôpital d'Aix. Merci beaucoup, Béatrice. Nous allons faire connaissance à présent avec Jacques et Christian. Bonjour, Jacques. Alors, avec vous, Jacques, on va changer de domaine. On va être du côté de la Défense. Complètement, oui. C'est au domaine de la Défense, ministère de la Défense, c'est militaire. L'activité, je participe à la réparation d'avions et hélicoptères militaires. Donc si jamais on a un souci sur le plateau, on peut faire appel à vos services? Oui, si vous avez un hélicoptère. Il va falloir un hélicoptère. Ou une caméra qui est un peu défectueuse et tout. On vous appelle. Ça va être un peu compliqué. Mais si, vous allez y arriver, je suis sûr. Ça, on a un matériel. Je suis sûr que vous n'aurez aucun problème. Merci Jacques. Christian, je suis ravi de vous rencontrer, Christian. Aussi. D'abord parce que vous venez de quel endroit, Christian? Bordeaux. De Bordeaux, voilà, donc vous habitez une belle région. Vous avez une fille qui fait un métier formidable. Oui, œnologue, viticultrice. Et vous êtes médecin généraliste. C'est ça. Et quand je disais qu'ici, il y avait des gens formidables, vous encouragez, Christian, vos patients. Alors dites-moi tout parce que ça c'est... Ben, je fais au point de vue préventif et curatif... Comme j'ai une clientèle à mon image qui a tendance à vieillir, je leur impose, dans la mesure des possibilités, de regarder le plus possible des émissions, enfin l'émission Motus en particulier, pour laquelle j'ai une affection particulière, de manière à faire une prévention intensive des troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles de la mémoire, ce qui remplace bien les médicaments. Ça, c'est quand même formidable, voilà. Non? Motus remplace les médicaments. Ouais, tout, mais... Non, mais c'est vrai que c'est une très bonne idée. Et je pense que c'est intéressant de faire travailler, justement... Voilà, parce que le cerveau... L'orthographe, la mémoire, et ça maintient en éveil. On a beaucoup de téléspectateurs, parfois, on les salue, on les embrasse, très âgés, qui continuent à regarder Motus. Ça devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Et ça maintient en forme. Voilà. Merci Christian, merci beaucoup pour ce que vous faites. Voici les grilles pour commencer la partie. Christian, Jacques. Oui, au cinéma.
Voici votre numéro magique, le 23. Voilà pour vous, Béatrice François. Vous aurez droit au numéro, attention, le numéro 40. Et tout ça pour quelle somme, Tom ? Tout ça pour une cagnotte de 1000 euros, Thierry, aujourd'hui. Une cagnotte qui redémarre. Christian, nous allons jouer avec des mots de... 9 lettres. 9 lettres. Je vous souhaite bonne chance, Christian. Nous commençons avec la lettre S. Souverain. S-O-U-V-E-R-A-I-N. Serpentin. S-E-R-P-E-N-T-I-N. Souriceau. S-O-U-R-I-C-E-A-U. Souriante. S-O-U-R-I-A-N-T-E. Et ben voilà. Bien joué, Jacques. Je vous en prie, Jacques. Vas-y, commence. Oui, c'est mélangé. Bon. 11. Christian. Soyez performant, hein, parce que vos patients vous regardent, Christian. Hélas. Voici, Christian, la lettre T. Touaille. T-O-U-A-I-2-L-E-S. Tremblant. T-R-E-M-B-L-A-N-T. Tessiture. T-E-2-S-I-T-U-R-E. Tressauté. T-R-E-S-S-A-U-T-E. Tabloïd. T-A-B-L-O-I-D-S. C'est trop court. Non. Béatrice, attention à la lettre qui vient. C'est la lettre O. Trésorier, T-R-E-S-O-R-I-E-R. Le O, il faisait partie des lettres à replacer au bon endroit. Bravo Béatrice, je vous laisse mélanger, s'il vous plaît. Le 40. Oh. Le numéro magique, premier tirage, et comme ça c'est réglé. François peut mélanger tranquillement. Donc vous avez été un peu rapide, hein, Béatrice. Oui. On se rappellera avec beaucoup d'émotion que vous avez pris le numéro magique, Béatrice. Et c'est à vous de jouer, François, avec la lettre M. Magouille, M-A-G-O-U-I, 2-L-E. Ménagère, M-E-N-A-G-E-R-E-S. Les 8 secondes sont passées, tant mieux pour vous, Christian, puisque vous récupérez la lettre N. Magnanime, M-A-G-N-A-N-I-M-E. Magnitude, M-A-G-N-I-U-T-E-2. Hop, 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 hop. Ça, à la maison, ça, dommage, ouais. Ça ne vous arriverait jamais à la maison, ça. L'inversion des deux lettres. Béatrice, qui ne s'y attendait pas, mais elle va récupérer le I. Magnitude, M-A-G-N-I-T-U-D-E. Bravo. Ça fait pour l'instant 100 à 50, Béatrice. Voulez-vous mélanger tranquillement, puisque vous avez le numéro magique. 32. Le 32. Alors, le 36, ça rapporte 100 points, François. Le 16.
Nous continuons avec vous, François. Nous cherchons un mot de 9 lettres qui va commencer par la lettre R. Ripaille, R-I-P-A-I-2-L-E-S. Roumaine, R-O-U-M-A-I-N-E-S. Ripolliné, R-I-P-O-L-I-N-E-R. C'est un verbe assez curieux hein, qui reprend au départ une célèbre publicité. François, vous mélangez, s'il vous plaît. Béatrice. 70. Et ça concernait la peinture, hein, c'est ça, Tom ? Exactement, Thierry. Béatrice, 150 points, tout va bien pour l'instant. C'est à vous de jouer avec la lettre A. Aoutienne, A-O-U-T-I-E-2-N-E. Audition, A-U-D-I-T-I-O-N-S. Abricoter, A-B-R-I-C-O-T-E-R. Alors, le verbe abricoter, ça on l'a déjà proposé plusieurs fois, on a vérifié plusieurs fois, on vérifie une fois de plus. Nous ne l'avons pas, Thierry. Non, on ne peut pas abricoter. L'adjectif. Mais pas le verbe. Mais pas le verbe, voilà. Christian, la lettre bonus, c'est le D. Addiction. A-D-D-I-C-T-I-O-N. Ce serait un peu plus votre domaine en tant que médecin généraliste. Voilà. Jacques, allez-y. Le 25 rapporte 100 points. Christian. 5.